Comment obtenir un carré magique 4-4? Une première façon, on écrit les nombres de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 de cette façon. Puis on conserve les nombres des diagonales et on fait une symétrie par rapport au centre. Par exemple, à la place de 2, on va mettre 15. À la place de 3, on va mettre 14. Etc. Alors on obtient bien un carré magique. On rappelle ce que cela signifie. La somme des quatre nombres de la première ligne est 34. Pour la deuxième, pareil. Troisième, quatrième. On peut arrêter la vidéo pour voir. Pour la première colonne, la deuxième, troisième, quatrième. Première diagonale, seconde diagonale. Des curiosités attachées à ce carré magique. La somme de ces quatre nombres est aussi la somme magique 34. Pareil, encore, encore. Page suivante. On peut faire tourner ce carré magique pour obtenir des dispositions différentes. On dira que ces carrés magiques sont équivalents. Symétrie par rapport à l'axe horizontal, l'axe vertical, la première diagonale, la seconde diagonale. Donc voilà 8 carrés magiques équivalents. Pour en trouver d'autres, toujours à partir de ce carré de départ, on peut permuter les lignes 1 et 4, les lignes 2 et 3, les colonnes 1 et 4, les colonnes 2 et 3. Une autre façon, à partir de carrés latins. Un carré est dit latin quand il contient 16 signes sans répétition dans aucune ligne, ni aucune colonne, ni aucune diagonale. Avec les couleurs, il est facile de voir que l'orange ne peut se mettre qu'ici, dans la ligne et la colonne, il n'y a qu'une seule orange. Alors, le vert, on ne peut pas le mettre là, on ne peut pas là, on peut le mettre là, oui. Le bleu, comme ceci, le violet, comme ceci. On a donc deux carrés latins. Le premier est fabriqué avec les lettres de Aude. À partir de ces deux carrés latins, on a un troisième carré latin qui correspond. Et à partir de ce troisième carré latin, on peut fabriquer un carré magique de la façon suivante. On voit par exemple que 1 correspond au A violet. Le A violet apparaît ici. On met donc 1 à cette place-là. Alors 2, 3, 4, 5, c'est déjà mis. Le 7. Alors le 7, on le voit ici, appartient au dé bleu. Donc on va le mettre en dé bleu. Voilà. Alors, même chose pour le reste. Par exemple, le 10 va venir ici. Le 13, le 8 ici, le 14, le 9. Alors après, 12. Le
15 est là. Le 11 et le 16. On peut vérifier que ce carré est bien magique. Ce carré magique est célèbre comme étant dans le tableau de Dürer de 1514. On voit apparaître ici ce carré magique où il y a 15 et 14 en bas. Alors on peut le fabriquer à partir de notre carré de départ. On commence par une permutation des lignes 1 et 4, suivi d'une permutation des colonnes 1 et 4, puis d'une permutation des lignes 2 et 3 pour obtenir le célèbre carré de Dürer. Une petite distraction, vue à la télé, un petit tour de magie. Alors, on remarque que chacun des nombres 1, 2, 5, 6 figure une fois et une seule dans chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale. Ajouter 10 par exemple à ces nombres, c'est ajouter 10 à chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale. Le carré obtenu est donc magique de somme 34 plus 10. D'où un tour de magicien. Le magicien demande au spectateur un nombre plus grand que 34 et il écrit, bon, supposons 35, on voit apparaître ici pour l'instant avec 34, c'est 1, 2, 5, 6. J'ajoute 1, on obtient 2, 3, 6, 7, et ainsi de suite. Par exemple, en ajoutant 10, eh bien, on a 11, 12, 15, 16. Alors, le magicien peut retenir assez facilement ces données et surprendre son auditoire. Alors, on peut refaire ce truc avec un autre carré magique. Une autre façon, encore, d'obtenir un carré magique. On part d'un carré 4-4 latin avec 0, 1, 2, 3 écrit dans les coins. Alors ça peut être dans n'importe quel ordre. Par exemple, ici, je prends 0, 2, 3, 1. On est invité à construire des carrés latins avec toujours les nombres qui manquent. Par exemple, ici, je ne peux pas mettre 0 et 2, ni 1, donc je dois mettre 3. 0, 3, il ne manque plus que 1. 3, 1, 0, c'est 2. 1, 3, 2, 0. Alors ici, on ne peut pas mettre 3, on ne peut pas mettre 2, on ne peut pas mettre 1. C'est donc 0. 2, 0, 3, c'est forcément 1. 0, 3, 1, c'est 2. 1, 2, 0, c'est 3. Validé. Exact. Même traitement pour les autres. Alors là, ça doit être 1, 3, 1, 2, 3, 0, 3, 0, 1, 2. Alors, 2, 0, 0, 2, 0, ça peut pas être, ça ne peut être que 1. 0, 1, ah non, c'est pas ça. Alors ici, c'est. Ça ne peut pas être 0, ça ne peut pas être 2, ça ne peut pas être 0, ça ne peut pas être 1, donc c'est 3. 0, 3, 2. 2, 3, 1, 0. 3, 0, 1, 2. Voilà. Alors, c'est là que cette fabrication est intéressante. On a reproduit ce qu'on vient d'obtenir. Et on a fabriqué ce carré avec double nombre. 0, 0. Ici, c'est 3, 1. 3, 1. Etc. On a en bleu et en rouge.
Ensuite, on fait des divisions par 4. Plus exactement, on écrit les nombres en base 4. Voici un exemple. 2 rouges, 3 bleus, c'est 2 fois 4 plus 3. Par exemple, 3 rouges, 1 bleu, c'est 3 fois 4, 12. Et on ajoute, alors c'est 3 fois 4, 12 plus 1, ça fait 13, et on ajoute 1. Comment obtient-on ce 8? 4 fois 1, 4 plus 3, 7, plus 1. Comment obtient-on ce 11? 4 fois 2, 8, plus 2, 10, plus 1, 11. Voilà une façon d'obtenir encore un carré magique 4-4. Alors, ce qu'on vient de faire avec cette distribution de 0, on peut le refaire avec une autre distribution de 0, 1, 3 par exemple, etc. Il y a 24 possibilités de distribuer les 0, 1, 2, 3. On laisse continuer en utilisant le programme interactif en Flash qui est plus intéressant que cette vidéo, bien sûr, accessible par le lien sous cette vidéo.